ce sont à la fois des institutions productrices de savoir, comme les centres de recherche, mais elles ont aussi une pratique intensive de transmission de ces savoirs à travers la pédagogie. Et enfin, elles ont, par leur statut, une mission de diffusion sociale des savoirs. Elles ont, par rapport à d'autres acteurs de la CSTI, elles ont donc un quadruple rôle. Un rôle académique, production des savoirs, un rôle politique, elles portent des stratégies sciences-société, un rôle opérationnel, elles développent des actions, elles forment des professionnels de la médiation, et enfin un rôle partenarial, parce qu'elles ne peuvent rien faire seules. Elles pourraient faire seules, mais elles ne peuvent pas le faire raisonnablement puisqu'elles n'ont pas les moyens ni les forces d'être le seul acteur de diffusion des savoirs et de culture scientifique auprès de la société. Donc elles ont pour la plupart des liens avec toutes sortes d'acteurs de la culture scientifique qui ne sont pas académiques, et ça va des institutions comme les musées de sciences, en passant par les centres de sciences, les associations d'animation. Et comme d'autres acteurs de la CSTI, elles ont beaucoup recours aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui les indépendants. Le premier défi, qui ne concerne pas que les universités, hein, qui concerne aussi les centres de recherche, c'est le renforcement d'une recherche plus intensive sur la relation science-société, ses objectifs, ses visées, ses modes de mise en œuvre. Cette recherche existe, mais pour le moment, elle est dispersée et les acteurs de la recherche ont besoin de mieux se structurer entre eux et surtout de faire connaître déjà les recherches menées. Si on intensifie la recherche, on pourra beaucoup mieux adosser à la recherche des formations initiales qui aujourd'hui sont en nombre très insuffisant. Et le deuxième défi, les plus stratégiques, c'est comment les universités passe de l'investissement individuel de ses personnels dans une sorte de philanthropie individuelle, de partage de la passion, très très mal reconnue hein, aujourd'hui par l'institution employeur, à la construction de liens institutionnels qui vont permettre de dépasser le partenariat interindividuel avec ses avantages mais aussi ses inconvénients, et qui aurait pour avantage par exemple de mieux informer sur l'actualité de la recherche, sur certains sujets sur lesquels la recherche est dynamique et où les acteurs de la culture scientifique manquent parfois un peu de repères, tout simplement parce que les communautés scientifiques vont être moins actives vers la société dans certains domaines, notamment des domaines émergents, que dans des domaines plus stabilisés comme l'astronomie, la physique, etc. Pour moi, il y a trois objectifs, et ces objectifs sont évidemment congruents avec ceux exprimés par le ministère. Tout d'abord, structurer en interne et structurer toutes les relations externes. Le deuxième objectif, c'est de mieux qualifier le rôle des universités, ne pas répliquer, mais bien creuser, j'allais dire, sa différence, mais en tout cas, creuser la spécificité de son rôle. Et enfin, et ce n'est pas parce que je le cite en dernier que c'est le moins important, pour moi c'est le plus important, que les universités structurent mieux leur partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et là, on a encore des avancées à produire parce que les partenariats existent partout, mais comme tous les partenariats, ils peuvent se routiniser. Et aujourd'hui, par exemple, je ne vois pas le rôle des universités dans la contribution à une plus grande dynamique des acteurs non académiques. Ces exemples sont relativement rares, et donc les universités n'ont pas seulement à fournir du temps de travail de chercheurs, mais elles ont à dialoguer avec les collectivités territoriales pour renforcer là où ça existe déjà et rappeler, là où ça n'existe pas encore, que les collectivités doivent s'impliquer dans la culture scientifique. C'est une compétence partageable, hein. Elle relève de la clause de compétence générale, et on constate une très grande inégalité d'investissement des collectivités territoriales qui ont été moins bien structurées et moins bien poussées
à le faire qu'elles ne l'ont été, par exemple, dans la culture au sens plus traditionnel du terme.